aujourd'hui je suis chaud de la canne. 4 caméras, une là, une là, une là et une là. Bref, aujourd'hui les gars, vidéo que vous attendez tous depuis un moment, je le sais, ne me dites pas le contraire. Je sais que ma commu l'attend depuis un certain temps, comme moi bien sûr. C'est une vidéo pas comme d'habitude, parce que vous le savez, d'habitude on est plus dans le monde de la mécanique, de la moto, surtout de la moto. Et aujourd'hui on va être dans le monde de la bagnole. Pour vous expliquer un petit peu le truc, en express pour ceux qui ont raté, j'ai acheté une Audi A3 il y a maintenant un an et je vous avais fait la vidéo présentation il y a environ 6 mois. Alors, on n'attend pas Jean-Paul. Dans cette vidéo, j'expliquais que dans le futur, je voulais faire des modifications. Je vous expliquais lesquelles. Et j'ai dit qu'on se ferait tout ça en vidéo. Et figurez-vous qu'à ma grande surprise, j'avais eu énormément de gens de chaud. Je pensais pas que ça vous intéressait tant que ça. Mais au final, je crois que cette vidéo va être très intéressante. Parce que l'Audi est faite. Désolé pour le retard, mais elle est faite. Et figurez-vous que ça a vraiment de la gueule. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc dans cette vidéo, je vais être là dans mon garage, je vais vous retracer tout ce que j'ai fait pour en arriver là, tout ce que j'ai fait pour la modifier comme ça. Je vais vous montrer comment j'ai commandé, sur quoi j'ai commandé, mes pièces, mes petits trucs. Et voilà, ça va être une vidéo plutôt cool. Avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, n'oubliez pas qu'il y a cette magnifique 50 Rieju à gagner neuve. Pour participer, c'est très simple, vous avez juste à aller sur mon site internet et vous achetez un t-shirt ou un pull au choix. Et vous pouvez remporter cette magnifique bête. Oui, oui, c'est pas des lols, vous avez juste ça à faire. C'est très simple. Et petit plus cette semaine, pour l'achat d'un article sur le site, tous ceux qui commandent cette semaine auront la chance de remporter ce petit maillot. On en a déjà fait gagner un comme ça. Et ben, on vous en offre un deuxième, ok? Donc là, tous ceux qui commandent cette semaine, ils peuvent remporter, en plus de la moto, ce maillot. Dans votre commande, donc, vous avez une photo dédicacée, un petit autocollant TMB, un ticket de tombola et peut-être pour l'un d'entre vous, le maillot. Je vous saoule pas plus longtemps avec ça les mecs, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti. Donc let's go quoi. On va attaquer les petites modifs de l'Audi. Donc j'ai besoin de faire 2-3 achats, je sais déjà tout ce qui va se passer dans ma tête. Hop, Google, tac. Donc du coup j'ai mon pote le carrossier qui m'a dit d'acheter une peinture pour les étriers. Donc il m'a dit de prendre Foliatec. Donc du coup j'ai trouvé mon petit plaisir, je vais prendre ça parce que moi je vais le faire en rouge. Ça coûte du coup 31 €, donc c'est parti, hop, ajouter au panier. Après du coup moi je vais faire les 4 jantes en noir, mais ça c'est lui qui s'occupe de la peinture, moi j'ai juste à le payer. 4 jantes en noir, un polichage complet de la voiture, et puis après j'aimerais bien mettre tous les logos S-Line, parce que ma voiture c'est une S-Line, mais je n'ai aucun logo. Donc j'aimerais bien les logos de la carrosserie, j'aimerais bien le logo du volant et le logo du pommeau de vitesse. Donc je vais voir si je trouve un petit kit sur eBay. Bon, j'ai fini les recherches, j'ai à peu près trouvé tout ce que je voulais. Alors du coup, j'ai pris autocollant pour le levier, sachant comme c'est une boîte auto. Après, je vous montre pas tout, hein, mais j'ai pris autocollant pour le volant, les autocollants S-Line mais en noir, vu que je vais tout faire en noir. Autocollant de calandre, autocollant d'étrier, attention. Attention, c'est carré dans l'axe. Et puis bah, la peinture pour l'étrier. Donc voilà, ça me paraît vraiment pas mal. Suite à ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé des petites plaques, parce que je voulais sur cette bagnole des plaques noires, parce que comme vous le savez, ça fait la diff. Je tombe sur un site, au pif, et j'ai vu un jour avant de recevoir mes plaques, donc environ 3 jours après les avoir commandées, que GMK faisait de la promo pour eux. Je viens de recevoir les plaques d'immatriculation. Et aujourd'hui, c'est le jour où je récupère la voiture. On va aller la chercher ensemble. Et j'espère qu'elle va tarter. J'ai trop hâte. Donc à travers cette vidéo, les gars, je vous dis tout de chez tout, de chez tout. Donc j'ai posé la voiture chez mon pote carrossier. Il s'appelle Pierrot, c'est le frérot. C'est le sang de la veine, c'est lui qui m'avait fait la carrosserie de ma voiture sans permis quand j'étais encore en voiture sans permis. Il m'avait fait ma Clio quand j'avais la Clio. Et là, il m'a fait l'Audi. J'ai payé en tout, comme je vous dis tout,
J'ai payé 550€ pour ce que je lui ai fait faire la carrosserie. Et j'ai payé environ 100€ de pièces, donc toutes les petites babioles. Les autocollants, j'ai acheté moi-même la peinture pour les étriers. Voilà. Et là, arrive le moment où ça y est, je dois aller chercher ma petite bagnole. Je me suis fait ma petite folie. Je vais chercher ma voiture et je suis heureux. Là. Alors du coup, suite à ça, ce qui s'est passé, en sachant que je lui ai laissé la voiture une semaine et demie, lui il faisait ça en à côté, donc en dehors de ses heures de boulot. À ce moment-là, il était déjà un peu tard, on n'avait pas totalement fini. Donc on ramène la bagnole chez moi et on termine le lendemain. Donc le lendemain, c'est très simple, il restait juste la fin du lustrage, donc du polichage complet. Il restait à mettre les autocollants S-Line, donc sur la calandre, sur les côtés, tout ce qui s'ensuit. Et après, les gars, on allait être au point. Pendant ce temps-là, je vais quand même vous faire un petit listing de tout ce que j'ai fait sur cette voiture du coup. Donc 4 jantes noires, brillants. 4 étriers rouges, rouge Ferrari quoi, donc les 4. Ensuite, la calandre en full black. Logo arrière en full black. Et puis du coup, un lustrage complet. Je crois que c'était à peu près tout. Et le rendu est là. Comme vous vous en doutez, c'est venu le moment où je dois vous la montrer. Donc je vais pas vous faire pinailler 5 ans les gars. Même si la vidéo n'aura pas été très longue, je vous montre ça sans plus attendre et j'espère que vous allez kiffer. Donc c'est parti, c'est maintenant. De putain que ça caille. T'en merde ici. Les mecs, qu'est-ce que vous en avez pensé sérieux? Entre nous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette magnifique bête? Parce que moi, j'en suis fan. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite bagnole. De plus, j'ai reçu, bande de petits rigolos, toutes vos petites chutes que vous m'avez envoyées. Parce que j'ai mis une story l'autre jour où je demandais les chutes. Et j'en ai reçu une ribambelle de chute, hein. Vous pouvez y aller, et je peux vous dire que c'est drôle. Donc je ne sais pas quand, mais je vous ferai la vidéo réaction à ces chutes, un peu dans le même cadre que ça, dans mon petit studio, posé, quelques cams, on se fera un petit truc cool. En tout cas, j'en ai reçu une bonne petite tartine, et je vous remercie d'avoir joué le jeu, j'ai beaucoup rigolé en les regardant, et je vous ferai la vidéo très vite. Donc pareil, si vous la voulez plus vite que prévu, parce que moi je peux vous dire très vite, ça peut être dans genre une semaine ou deux. Donc si vous la voulez encore plus vite, vous me le dites en commentaire les mecs. J'attends sur vous. Ok. En attendant, je vous aime fort et vraiment très fort. On a passé le cap des 92 000 abonnés hier soir. Ok. Comme on dit chez nous, road to 100K. Ok. On fonce vers les 100 là. Et je peux vous dire que pour les 100K, vous n'êtes même pas prêt de ce qui va arriver. Quand il va y avoir les 100K, je peux vous promettre, je verrai plus le bout de mes pieds. Je verrai plus. Et puis après ça, on vous fera bien évidemment une vidéo spéciale pour les 100K. Ou peut-être on aura un budget un peu différent. Un type de vidéo un peu différent et franchement on vous fait un truc de fou, un peu comme la vidéo des 50K pour ceux qui ne l'ont pas vu, on vous avait fait un truc, on avait roulé de nuit sur mon terrain avec du feu, on avait fait des trucs de fou. Donc voilà, je vous remercierai jamais assez, je vous aime. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit abonnement et le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances scolaires, parce que oui c'est les vacances scolaires, ok. Et puis voilà, je vous remercie les gars, bisous, ciao. Contactez-moi que sur Insta, car mon Snapchat est saturé.
Ah ouais, et si t'es encore là, petit plus, sur le site internet, si t'as toute question, ou que tu veux des infos, ou que t'as un problème avec ta commande, parce que c'est moi qui gère tout, tu peux soit m'envoyer un petit mail, soit me contacter, parce qu'il y a un numéro de téléphone pro sur le site internet, dans l'onglet contact, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez un souci, si vous avez un bug, c'est tout bon. Et pour votre information personnelle, toutes vos commandes sont envoyées sous 24-48 heures, par moi-même aussi. Donc là, j'ai qu'un truc à vous dire, foncez, c'est bon, la moto elle est neuve, elle vous attend, elle attend plus que vous. Tirage au sort dans un mois. Et pour tous ceux qui commandent cette semaine, vous pouvez remporter un maillot de cross, les mecs. Je vous aime, bisous, cette fois-ci je ne reviendrai pas. Ciao! En fait, la cam.